Martial, pose ton truc. Avant de commencer, j'aimerais éclaircir un point. Et je m'adresse particulièrement à Bob et Jeannot. On donne pas de vin chaud aux joueurs avant un match. C'est pas possible. Surtout avec 35 degrés dehors, hein. Vous êtes des malades. Il faisait pas aussi chaud. Bah c'est vrai, moi j'avais un pull. La prochaine fois, c'est simple, j'interdis le vin chaud au stade. Oh non, tout de suite. Mais j'en viendrai pour quoi alors? Pour le foot. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on est un club de football, pas un stand de la foire au vin. Et avec monsieur le maire, on aimerait que cette année, le FC Touche remporte la Coupe Super Toto. La Coupe Super Toto? Personne n'a jamais gagné la Coupe Super Toto dans la région. Mais on a pas le niveau. Oui, bah c'est sûr que c'est pas en buvant du vin chaud toute la journée qu'on va y arriver, hein. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, petite Roseline. Coach. Je passe un coup de vent, j'ai une réunion à la mairie. Il reste du vin chaud? But! But! Ah non, c'est une touche. Denis, on a quoi aujourd'hui? Comment ça? L'ordre du jour. Ah, je sais pas. Non, mais c'est pas vrai. Y a rien de prévu? Ben non. On est obligé de rester ou... Vous allez pas me faire croire qu'on a aucun problème à régler quand même. Il y avait bien la soirée choucroute, mais elle a été annulée. Bon bah... S'il y a d'autres trucs d'annuler, n'hésitez pas, hein. Tu crois que je dirais pas non, moi. Arrête de te coiffrer. On fout 5 minutes. Ah ouais, ça c'est de la réunion, hein. Sinon, moi je propose qu'on se barre, hein. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Faut absolument régler le problème de l'arbitre officiel. Parce que si on n'en trouve pas un rapidement, la Ligue va nous sanctionner et nous enlever des points. Ah, je vois pas ce qu'ils peuvent enlever, hein. Bah on en a deux. Alors là, je dis messieurs... Pour les municipales, attention. Chaque point perdu par le FC Touche, c'est des points en moins dans les sondages. Il nous faut un arbitre. Alors si on gagne la Coupe Super Toto, alors là... Personne n'a jamais gagné la Coupe Super Toto dans la région. Vous avez pas déjà dit ça, vous, tout à l'heure? Non. Bah si. Si. Je crois pas. Bon. Monsieur le maire, et votre réunion à la mairie? Oh merde! Merci, Roselyne. Bon. Excusez-moi. Alors, est-ce que vous voyez quelqu'un du club qui pourrait être arbitre? Bah, disons que moi, j'ai déjà la touche et la buvette. Bah, moi, j'ai rien, mais y a pas moyen. Bah, prenez un joueur. Ah non, ça, c'est pas possible, hein. Le coach, il a besoin de tous ses joueurs. Bah, prenez un nul. C'est que ça fait du monde. Bah, un remplaçant. Ils servent à rien, les remplaçants, sur le banc. Mais oh, dis donc, on fait partie de l'équipe aussi, hein. Martial, mange ton nuts. Les joueurs aiment bien les savoir sur le banc. Même sans jouer, ils déconcentrent tous nos adversaires. Avec deux points, on a dû en déconcentrer un paquet, hein. C'est vrai que cette année, on n'a pas gagné beaucoup de matchs. L'année dernière non plus. L'année dernière non plus. En tout cas, cette année, je peux vous dire que Martial va faire beaucoup d'efforts pour s'intégrer à l'équipe. C'est vrai. Enfin, commencez par perdre du poids. Pas gros, hein. Tu passes ton temps à grignoter des conneries sur le banc de touche. Sans compter toutes les barres chocolatées qu'il vient acheter ici en cachette. Oh, la mytho! Bon, bref, je pense que tu brûleras beaucoup plus de calories en devenant arbitre officiel du FC Touche. Quoi, moi? Pourquoi? Non, vous allez pas faire ça, il croit encore que le hors-jeu c'est après le match. Et que le temps additionnel c'est payant. C'est pas ça? Ah bah non, mais là faut tout reprendre depuis la création du foot. Hein. Justement, je veux aussi que Martial rattrape son retard. Et oui, mais c'est pas moi qui ai les clés du local à la poubelle, vous êtes marrant, vous. Bah écoutez, rendez-vous, je sais pas. Merci. Excusez-moi. Et votre réunion? Annulée. Enfin non, c'était hier. On en est où? Pour l'arbitre officiel. Officiellement, c'est la merde. Je suis candidat à coach. D'autres bonnes nouvelles?